Donc la cathédrale d'Amiens a été édifiée à partir de 1220. Le chantier s'achèvera 68 ans plus tard, en 1288. C'est un chantier qui fut extrêmement court et c'est là déjà une prouesse technique des hommes du Moyen-Âge. Un des chantiers les plus courts au Moyen-Âge pour en résultat la cathédrale la plus grande au monde, la plus grande en volume, 200 000 mètres cubes de volume, c'est deux fois Notre-Dame de Paris, et 7700 m² de superficie au sol, ce qui en fait la plus grande cathédrale gothique de France. Nous sommes ici dans le cœur, dans la partie la plus sacrée de l'édifice, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, construite par Thomas de Cormon. Thomas de Cormon, qui est aussi connu pour les gens qui apprécient cette époque, c'est le constructeur de la Sainte-Chapelle à Paris. Et Thomas de Cormon, qui, je pense qu'on n'aura jamais assez de louanges pour cet homme, parce que grâce à lui, c'est lui qui a fait que nous sommes classés au patrimoine mondial, il a réussi dans ce cœur une merveille, c'est-à-dire limiter, supprimer, en termes de quantité, la matière opaque, c'est-à-dire la pierre, et remplacer le plus possible par du verre, le verre laissant passer la lumière. N'oublions pas que nous sommes dans une cathédrale qui est donc une église, et l'église chrétienne par excellence. Dans l'église chrétienne, Dieu est présent sous forme de la lumière. Donc ici, vous voyez, nous baignons dans la lumière. C'est une église extraordinaire parce qu'elle est extrêmement légère dans sa structure. Elle est extrêmement bien équilibrée, ce qui fait que je crois que les visiteurs l'apprécient beaucoup pour ça également. Pas seulement, mais pour ça. Et Thomas de Cormon a réussi un pari incroyable. Il ne savait pas, je suppose, nous n'y étions pas, mais il ne savait pas au départ s'il réussirait ce pari. Il a réussi a priori et du coup, depuis 1981, nous sommes classés au patrimoine mondial.